Non, c'est Jean-Marie Le Pen, n'est-ce pas? On va jouer à Mein Kampf avec mon petit camarade qui s'appelle... tu l'appelles comment déjà? Je m'appelle Jean-Marie Bigot. Ah non, Paste Beauf, merci, change de nom. Ah non, tu t'appelles Stan. Ah oui, c'est bon, tu t'appelles Stan. Alors, voici nos animaux, n'est-ce pas? Alors, il y a Goebbels, mon chien fidèle, mon chien doudou. Après, il y a qui d'autre? Il y a Brian. Il y a Hallel, n'est-ce pas? Parce que c'est pas Hallel ce nom. Après, il y a deux perroquets, je les ai appelés Stanislas. Parce que tu lui as rien dit, ça fait Stanislas le prénom. N'est-ce pas? C'est très drôle. Non, pas drôle. Oui. Alors le chat, je l'ai appelé Feveir, parce que le chat c'est la patte de l'espère. La pâte toast. Ah oui, mon fameux Petrov. Pourquoi il est noir? J'avais commandé un blanc. C'est quoi ce délire? Et on a toast. Mais non, j'ai conne, j'adore toutes les races de chats, n'est-ce pas? Surtout les races blanches, n'est-ce pas? Oh, je sais que la vidéo va pas durer longtemps parce que le vieux il est fatigué. Et là c'est notre petit lapin qui s'appelle Toast. Ah, parce que tu le mets dans le grille-pain, ça te fait un pain grillé. J'ai fait une séance de pêche, les amours. Oui, il a fait une séance de pêche, n'est-ce pas? Ah, ça c'est un bon travail, ça, la pêche. Moi en 40, je pêchais beaucoup de trucs, hein. Ah oui, bah j'allais à la pêche des infos, n'est-ce pas? Hein, tu l'as compris la blague. La pêche des infos. Tu es moi. Tu veux que je te tue? Bah tu veux que je t'amène dans un endroit très très connu, n'est-ce pas? Ça ira. Bah tu peux pas réparer les bottes et les arcs. Non, tu peux pas les réparer. Je ferai plus tard, si ah je peux. D'accord. Alors, on va faire le tour du proprio aussi. C'est monsieur Radin, n'est-ce pas? En même temps, c'est un peu normal, il est d'une religion particulière, n'est-ce pas? Je vais lui présenter sa petite maison, qui est aussi la mienne, si j'ai bien compris. Alors, bah oui, j'ai un mémoire qui flanche un peu, donc du coup, le délire, c'est ici, pas ouf. Ici, j'ai ramené du bois tropical, comme ça, on peut faire... Vous savez comment je les appelle, les pandas? Bah, Polande. Polande. Oh, c'était drôle, hein. Mais pourquoi tu me tapes? J'ai rien fait. Du coup... Je les ai appelés Polande, mes pandas. Du coup, là, on a du bois tropical avec les fèves de cacao, comme ça, on a des fèves de cacao. Ça fait pas des cacaoyers, hein. Mais arrêtez, monsieur l'agent, j'ai rien fait. Oh, j'ai juste qu'à l'envoyer en 40, et alors, c'est un crime. Attends, oh, des œufs. Des bonnes boules. C'est des bonnes boules françaises, ça. Des bonnes boules. Sérieux, arrêtez. Voilà. Chaque blague nulle, un coup d'épée. Mais tu veux, j'ai des œufs de poule. C'est drôle, hein. Mais pourquoi vous vous tapez, monsieur l'agent? C'est même pas une blague, c'est une réalité. Le mec, il me fait de la violence gratuite. Moi, je sors en 40, il y avait là aussi de la violence gratuite, mais c'est différent. Mais qu'est-ce que c'est là, lui? On savait que t'étais dans quel camp en 40, hein. Collabo. Ah non, c'est moi, ça. Bon, tu vas rater tes conneries. Oh, il y a une petite marchette. Oh, il y en a pas qu'une. Il y en a trois. Qu'est-ce que c'est que cette plantation bizarroïde? Ça pousse n'importe comment. Franchement, le jardinier fait très mal son boulot. Ah bah non, je vais demander au spécialiste. Monsieur, arrête de me frapper. Qu'est-ce que c'est que ces simagrées? En gros, c'est des plantations de fruits, la corus. C'est des fruits avec quand on les mange, on se téléporte à un endroit. Voilà.
T'as un problème de voix, Goebbels? Parce que je te reconnais plus. Ah non, Oui, c'est pas toi, Goebbels. Non, tu t'appelles pas genre Goebbels, tu chambre t'appelles Stan. rose. Tu t'appelles Stan, j'avais Oui. oublié. Parce que Stan. Stanislas? Non, faut que j'arrête de faire des blagues comme ça. C'est pas drôle. Arrêtez, monsieur l'agent, j'en ai rien fait. Waouh! Des C'est une vergues blague à la plantaires, bourre. ça se cultive, ça! Tu mérites de mourir pour la blague que tu as fait sur mon prénom. Mais Voilà. c'est pas drôle! T'es pas drôle! Oh, j'ai une T'es tête de con. dragon! Ah bah nickel, je vais pouvoir faire comme Dragon Ball Z, ça va être cool! Je pourrais. Hey. Attends, j'arrive. J'arrive avec mon épée. Mais je pourrais t'exaucer un souhait, qu'est-ce que tu veux? Moi aussi j'ai Ah une non, tête non, de non, dragon. non, 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 je sais c'est quand on transforme une putain! Au secours! J'ai envie de prendre des bois de cet individu! Ah non! Attends. Ouais! Salut. Non! Vous m'aurez pas! On a perdu la maison maintenant, bah espèce d'homme, on a perdu la maison! Ah non! Ah non, avec les fleurs bizarroïdes là, on sait c'est quoi! Hein. Ah, dans Mein Kampf! Mais arrêtez de me taper, j'explique le jeu pour ceux qui ne savent pas ce que c'est! Alors, dans Mein Kampf, tu peux récolter des vers plantaires, tu peux. Ben laisse-moi tranquille, on peut récupérer de la laine. T'as tué un animal? Mais espèce de débile, espèce de sauvage. Putain, les vegans, ils vont te tuer. On peut les couper. Attends. Je m'en fous, t'es Non, mais futur. laisse-moi tranquille, je fais de la chasse. Pardon. Ça, c'est le stress. Hop là! Des côtelettes de mouton pour ce soir. Des bonnes œufs de poupoule. Bref, dommage que ce jeu on peut pas faire de belles omelettes. Bah c'est vrai quoi, on peut pas faire de bonnes omelettes. Moi tu sais ce que je vais faire. Je vais aller à la chasse. D'accord. Attention, pas n'importe quelle chasse. Réfléchis de quelle chasse que je vais faire. Je sais pas. Bah, une chasse très spéciale. Oh, encore du bétail à tuer. Oh bah ça, je vais m'en occuper. Plus tard. Alors dans Mein Kampf, n'est-ce pas? Vous pouvez récupérer des ressources via le bois, les feuilles, même les brins d'herbe de merde qu'il y a devant vous. On peut avoir des blés. Du blé. Et le blé, c'est le nourriture du peuple. Ah non. Je me suis trompé de discours, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est que je vais lui faire retirer un caleçon. Très drôle. Dites-moi, Stan. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Le jeu est complètement drogué. Je vois deux dauphins. Quoi? Je vois deux dauphins ici, c'est pas logique. Monsieur le dauphin, qu'est-ce que vous faites là? Monsieur le dauphin, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez! Au secours! Il y a trop de dauphins! Ils sont où tes dauphins? Bah arrête avec tes dauphins! Au secours! Mais quoi? Y'a des dauphins! C'est dauphinception, vite! Casse-toi, c'est dangereux! Au secours, les dauphins me suivent! Ils savent que je vais faire un maximum de carnage! Ah non, man. Ah non, du poisson! Dommage que dans ce jeu, il n'y a pas de requin! Heureusement. Puisqu'on peut faire les dents de la mer, mais remixer! Un peu plus cubique, quelque sorte. Bah quoi, je fais ce que je veux, si j'avais dire que ça sera dans de la mer version cubique. What?
What? La veine ne l'a pas partout, c'est pas possible. Alors, oh, une vague, une belle petite vague pour moi. Du cuivre et de la viande de steak. Mais t'en es invisible en fait, c'est pour ça que je te vois pas, connard. Mais laisse-moi tranquille, je veux bosser. Va retourner à tes plantations, je prends la salle. Oh, un lama. Ah bah, il est où ton maître? Oui. Je savais que si on tire sur un marchand ambulant, il prend une potion d'invisibilité. Une quoi? Une potion d'invisibilité. C'est une bonne affaire tout ça. Regarde, tire-lui dessus. Attends, je vais en faire spawner. Tire-lui dessus. Ah, derrière toi. Tire-lui dessus. Tire sur le micro. Ah, tu veux me tirer dessus? Ouais. Bah. Oh. Tu vois, il a pris le prochain dans l'invisibilité. Ah, oui, je vais tout. Je vais pouvoir aller. Voilà, je vais t'apprendre à arnaquer les gens, voleur. Il me faudrait une nouvelle lame pour mon épée. Une nouvelle lame, je veux une nouvelle épée. Moi bon, je pense que j'avais compris. T'es pas con. Et bon, je suis de demander, j'arrive. J'ai un armurier, un agriculteur et un mineur. Ça c'est un bon communiste. Alors, toi, qu'est-ce que j'ai dit? Un communiste? Bah non, je me suis trompé du coup. Du coup, c'est l'ennemi à battre. Je te donne une de mes épées. Attends. Waouh! Une tranchante! Ouais, ça va faire comme dans Yu-Gi-Oh! Mais laisse-moi tranquille, le pauvre bête, je veux tuer des moutons! Yes, I. Ah, y'a même pro sniper for Harpod. Oui, des steaks cuits. Ah, bah non, pas de steaks cuits. Par contre, un joyeux bordel au niveau écologique. Bravo, Greta Thunberg va nous arriver sur le dos. Regardez-moi ce con, il a fait un incendie, il faut l'éteindre. Vite, tout est en train de prendre feu. Greta Thunberg, au secours. Ah non, je crois pas, c'est déjà un autre tour. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on s'en fout de la forêt, non? Un peu. Little. Ah, j'adore la vie. Ah. Je vais bien. Oui, effectivement. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Stan? De quoi? Bah, du mec chelou qui a pris ma place. C'était genre Marie Le Pen. Oui, je sais bien. Il est reparti se coucher, il était taré. Il est encore très bien. Ah bah encore, hein. Heureusement qu'il est fatigué parce que putain, je pense que conneries depuis 4 ans. Ah non, depuis 40 ans. C'est pas ouf, hein. Ouais. Il est en train de me dire que les bougnoules devraient être éradiquées de la Terre. Ah putain, c'est violent, lui. Non, on peut pas les réparer, celui des trucs. Ah, bon bah. Bon, j'ai quand même un équipement. Et ouais, pour éviter d'être limogé au feu.
Tu t'accroupis. Ouais, c'est un peu illogique, mais c'est pas grave, c'est normal, c'est le... Ouais. C'est C'est pas grave. Bon, comme dit à mon tonton, c'est Minecamp. Il dit vraiment son quoi. Je suis en train de dire que Minecamp, c'était la meilleure idée de sa vie. Pour y jouer, bien sûr. Ouais. Ouais, mais t'avais compris. Ouais, t'inquiète pas, je suis content. Non, mais on sait jamais, hein. Parce que d'après ce qu'il vient de me dire, apparemment, tu l'as frappé pour rien, le pauvre. Non. Non, mais sur Minecraft, oh, mais il faisait juste des blagues. Il y a des blagues sur un Tu faisais des blagues d'esprit. Oh, bah, ça, c'est l'habitude, hein, tu sais, on est obligé de supporter ces conneries. Oh shit. T'imagines pas à table, il parle d'immigration, c'est saoulant. Ok. Au repas du soir, tu tapes 1h15 de machin pour la migration. C'est chiant. Putain, heureusement que moi. Oh là là. Il est fatigué. Bah, en même temps, il nous fatigue avec ses conneries. Ouais. Alors, j'ai 4 laisses. Il m'a dit un jeu de mots de merde, c'est-à-dire laisse tomber cette affaire. Voilà. Voilà, c'était son jeu de mots de merde, il a fait. Il a dit laisse tomber cette affaire, il a dit. Oh putain, il est drôle. Non. Il a dit que t'étais pas drôle. Allo Adrien. D'accord, il y a un nom. Attends, d'après ce que. Je peux avoir ton copain de minute. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, c'est toi qui as dit que j'étais. Antisémite, n'est-ce pas? Je me dis. Qu'est-ce qu'il fout le lapin dans le compost? Il est con, je sais pas. Tu lui as donné de la drogue au lapin? Non. Ah, eh ben alors. Attends, j'ai mis des pas. Du compost. Eh, tu le tues! Comme ça, il sort pas du truc, mais au moins il est débarrassé. Non. C'est pas comme ça. Ah. Pas mal, je te dis une solution. Vas-y, va te coucher, toi. Oh, je sais bien. Ok, il m'a dit va te faire foutre et dis à l'autre gitan que la prochaine fois que tu tapes pour rien, tu le regretteras. Il est bizarre, mon papy. Hein. Oui. Non, mais il m'a dit qu'il est frappé dans la réalité, il a même dit je vais le faire courir ce truc-là. Mais c'est moi. Pourquoi tu m'as frappé? Je t'ai pas tapé. Ah. Attends, je viens du niaiseur. Je pense qu'on devrait faire un autre coffre de. Je sais pas, t'as des idées de nom? Il y a Petra et Tost. Ouais. Oh putain, il est en train de faire un incendie. Greta Thunberg, elle est pas contente, elle va dire. Ah, vous avez détruit mon enfance, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, ma Jean-Marie Le Pen. Un perroquet qui s'appelle Blue. L'originalité. Waouh, mais le mec il est original et tout. Il s'appelle Rablou. Rablou et Blue, d'accord. Non, Blue. Mais c'est quoi ce caillou? De quoi? Là. Attends, voilà Blue. Ah oui, non, c'est ce qu'on t'y mis. C'est un truc de déco. Donc ça sert à rien. Bon, c'est rigolo pour la cloche. Ah, il vient de me dire qu'il voulait vous abonner à la chaîne de mon petit-fils détestable et bizarre, il a perdu un peu sa tête en ce moment. Ah oui, je vois. Déjà, il a dit que t'étais un gitan. S'appelle... Ok. Il dit que t'es un gitan. Il s'appellera Volt. Volt, comme dans le film. Ah, il a dit que t'as fait un jeu de merde. Mais sinon, je dis juste la vérité, il y a le film de Volt, voilà. Ouais, bah... Et l'autre, on l'appelle Aslan, comme le chien de ma cousine. Voilà.
Moi j'avais White, mais bon, apparemment tu veux pas prendre. Il a dit que t'étais un dictateur naissant. White. Et le prochain chien s'appellera Aslan. Attends, merde, j'ai oublié la. Comment je sais Aslan pas. Oui, il s'appelle Aslan, le chien de ma cousine. Fais un à deux. Alors. Des élytres. Ah, les pattes de lapin, c'est où? Ça s'écrit comment, White? W-H-I-T-E. Ok, c'est bon, j'ai eu. Du coup, j'avais faux. J'ai dit. Putain, il s'est dit, oh putain, je vais me faire défoncer. Ouais, exactement. Oh bah, il y a des belles vagues, hein, je vais pouvoir faire un bon génocide. Ah, il m'a dit excellente blague d'ailleurs, mon papy. Ouais, il est à côté de moi, je sais pas ce qu'il fait, il est en train de danser. L'autre sur de la musique arabe. Le chat. Il est en train de danser sur de la musique arabe alors qu'il est raciste. Bizarre. Attends, ben miaou, c'est comme mon chat. Ah bah là il y a des incendies partout, hein. Greta Thunberg elle va dire vous avez détruit mon enfance, pourquoi vous faites ça? Et on est sur Minecraft. Ah oh. La boulette. Miaouche comme mon chat. Comme le Miaouche. Pokémon. Non, mon chat, ça, il s'appelle Miaouche. C'était ah oui. Mon gros. Ah il est mort. Oui non mais en fait c'était dans Gers. En fait, on a déménagé, ma mère elle a essayé de le trouver pour qu'il vienne dans l'appartement avec nous, et sans ça aussi, le chien de mon frère, non, le chat de mon père, et bien sauf qu'elle les a pas retrouvés. Ah, ils ont fugué? Oui, je crois. Ils ont fait, non, on reste là, on était bien, voilà. C'était la campagne, c'était bien pour eux. Du coup, le prochain perroquet, on l'appelle comment? Pic pic. C'est stylé comme nom, Pic Pic. Ok, Pic Pic. Pic Pic et Goyette. Il a dit que j'avais fait un jeu de mots de merde, mais bon, il accepte quand même. Pic Pic. Pic Pic. Déjà, ça fait penser au stylo. Il a dit que j'ai encore fait une blague de merde, mais celle-là, il accepte pas. Viens. Toast. Miaouche. White, Blue, Pic. C'est le nom le plus drôle que j'ai vu. Par contre, j'espère pas avoir Snap en mode ouais, mais t'es pas drôle, t'as dit Minecamp. On va jouer un peu de Minecamp, n'est-ce pas? Genre un petit Minecamp, n'est-ce pas? J'en ai marre de ce que ça. Ah bah là, c'est Jean-Marie Le Pen qui a parlé, il a dit oh, c'est le meilleur jeu. Oui, bah ça fait 3 fois que tu le dis, papy. Ok, je vais coucher. Bah, je suis obligé de dire papy parce qu'il comprend rien que ce guignol, je suis pas son petit-fils. Il comprend rien à la vie. Bah, si je le savais. Déjà, il croit qu'il est né dans une grotte. Déjà, il est bizarre. Il a fait la guerre d'Algérie et d'Indochine alors qu'il était parachutiste. On se demande qu'ailleurs comment il a fait pour pas que sa voile se déchire. Il a fait une blague sur la voile, mais j'ai pas envie de vous la dire. Oh putain, oh non, pas ça. Bah non, Indochine. Bah non. Non, c'est pas ça. La blague sur le voile, non, mais j'ai pas envie de le dire parce que je vais me prendre un strike alors, non merci. Non, mon foupi. Tu le diras hors rec. Ouais, je vais pas le dire. Non, ah, il a dit oublie. Ok, bah j'oublie. Il pense plus sûr. Après, on traite de schizophrène, mais c'est pas. C'est pas vrai, je suis pas schizo. Aventure? Pourquoi t'as mis en mode aventure? Je sais pas pourquoi je suis mis en mode aventure. Attends, on va voir les. On va voir la récolte au niveau pêche. Bébé. Alors, 9 poissons globe, 1 poisson tropical, bah ça sert à rien, on peut le garder là. Une selle. Des pois. Oh, on peut faire cuire du pois sky. Bon, on laisse le poisson tropical. Avec tous les crochets là, je peux faire un truc bien. Vas-y, je te laisse faire. Moi, je vais cuire du pois sky. Oh, je crains le pire. Mais non, je déconne. C'est une blague. Par contre, le 9 poisson globe, j'ai mis où? Ah, on avait déjà. Ah oui, c'est vrai, on en a récolté un alors que le mec, il était comme ça. Ah, le mec était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça.
Et tu vois, mon pays il fait là comme ça, tu vois. Tu vas pas me casser les couilles. Pardon. Oula. Et pourquoi on a de la... pourquoi on a des plantations de chêne? Ah oui, c'est pour réparer les conneries parce qu'on avait on a déforesté cette région là, et on avait déforesté aussi des arbres alors. Non, on n'est pas des gens bizarres. Mais il faut arrêter de vous reproduire hein, quand même les moutons. C'est moi qui les fais se reproduire. Le mec qui fait une surproduction de moutons va avoir un maximum de côtelettes. Désolé pour vous les vegans. En même temps, c'est trop pour les côtelettes d'agneau. Qui on a jamais goûté quoi. Oh, je sais pas. Bah, à part les vegans, je vois pas. Mais en tout cas, ma prof de RH, elle est pas conne. Du coup, comme les greffes, ça vient. Enfin, pour les comme les greffes de cœur par exemple. Comme ça vient d'un animal. Du coup, ouais. On va le faire. Bah ouais, la prof de RH, tu vois, elle nous a fait poser une réflexion sur la vie. Et nous, on essaie d'avoir le proviseur adjoint, mais il est pas là. Il est en train d'évaluer les secondes, donc du coup, on n'a pas pu le voir. Fait chier. Oh shit. Pour faire un changement d'emploi du temps de façon perpétuelle, c'est-à-dire qu'il changera pas. Ah. Putain, mais personne n'a ri à ma blague, on va jouer un peu à Minecraft, c'est pas drôle. Ben je rirai. Mais franchement c'est pas drôle, elle est bien ma blague. Ah bah non c'est vrai, il y en a dans ma classe, bah par exemple il y a une certaine Lucie, elle fait pas allemand, donc du coup elle comprend pas la blague. Dommage. Dommage bro. Après il y en a qui font allemand, bah attends je vais te dire, attends, je vais regarder ceux qui. Je vais voir ce qu'ils ont vu. Alors Jean-Marie Le Pen, tu fais la voix? Oui, bien sûr, je suis bien là. Alors, on fait un petit Mein Kampf, n'est-ce pas? Bien sûr, aussi par moi. Alors, il y a une certaine Elisa avec un Z, puisqu'on aime bien. Enfin, non. Elisa avec un Z, déjà, c'est pas de chez nous. On dirait Victor avec un K. Ah bah non, faut pas que je le dise. C'est mon pote. Alors, c'est tout à fait allemand. Ensuite, Maxime, de même. Adrien, Maxime, on connaît pas. Non, je déconne, c'est préfère allemand. Adrien, espagnol, je crois. Florentin, allemand. Du coup, lui, c'est espagnol et lui, que c'est allemand. Voilà. Ok. À part si elle est fan d'histoire, n'est-ce pas? Elle sait ce que c'est Mein Kampf. En plus j'ai un peu... Et en plus, ouais il est parti se recoucher très vite, hein. Il a fait... Hop, je suis fatigué. En plus tu vas rire mais dans le truc... En fait Mein Kampf c'est un programme qu'il a fait en quelque sorte. D'accord. En fait c'est le programme qui réunissait toutes ses idéologies, sa vision de pour l'Allemagne, tout ça. Voilà. Bah je peux te faire quelques résumés déjà. Bah oui, c'est du bien. Bah déjà, il voulait annexer toutes les minorités allemandes au Grand Reich, c'est-à-dire au Troisième Reich. Bah merci de rien. C'est-à-dire l'Alsace-Lorraine, on l'aurait pas, quoi. Ah. On n'aura pas... Bruxelles et le Pays-Bas sera pas indépendante parce qu'il y a des minorités allemandes. Ça, c'est pas grave, mais... La Pologne, elle serait annexée, bah, de moitié parce qu'il y a des minorités allemandes. La République tchèque, j'en parle même pas. Bah parce qu'ils se feront annexer aussi. La Slovaquie, bah y a pas d'Allemands, donc du coup ils s'en bat les couilles. Danemark, il y en a une petite majorité au niveau du nord du. Enfin au niveau du nord d'Allemagne, donc du coup voilà, ça doit le faire. En gros toutes les minorités allemandes qui sont situées autour de l'Allemagne seront annexées en fait. Ok. Après ensuite, pour l'URSS, il avait un sort particulier. Comme c'est un très vaste pays, il voulait que l'URSS soit dédié à l'agriculture de son pays. Ouais, de toute façon, il aimait pas trop les communistes, hein, alors qu'il était de gauche. Il faudrait savoir, le mec. Hein. Oui, parce que nazi, ça veut dire national-socialiste. Et national, c'est droite, mais socialiste, c'est gauche. Tu m'as perdu. Bah en fait, national, nationaliste, c'est l'extrême droite, c'est ce que Marine Le Pen dit à bout de champ. Et socialiste, c'est le PS, parti socialiste, le parti de gauche. Ah oui, c'est bon, là j'ai compris. Donc du coup, le mec, il était de droite, mais aussi de gauche.
l'idée de En du temps fait, du texte. il était hanté. En tout cas, c'est ça, il était dans les extrêmes, hein, ça c'est sûr. Il était extrême Oui. gauche et extrême droite, hein. On met les deux en même temps. Après, il a quoi? Qu'est-ce qu'il avait prévu dans son programme? Ah oui, pour les juifs. Ah bah les juifs, faut en parler, mais. Bah oui, bah désolé les juifs, vous allez prendre cher, hein. Il veut t'exterminer la gueule. Hein. Il va texter. En gros, ça veut dire le juif, t'es mort. Soit tu es mort, soit tu vas devenir l'esclave. Si, j'ai terminé. T'as terminé quoi? Le Ah truc que non. je voulais faire. Ah, t'as terminé ton projet. Et tu savais, et tu sais, il voulait faire un monde sans juifs. Et puis pas Marche, évident. essaye, va dans la lave. Voilà. Aïe, ça brûle, ça brûle. Ça va marcher. Mais c'est chelou toi. Attends, moi, Tu attends. m'en fous pas. Tu m'as foutu. En courant, c'est pas possible. Après, qu'est-ce qu'il avait écrit dans Minecraft? Ah oui, vous terminez les jeux. Pour ça, il avait prévu tout. Il avait déjà tout Oh non. prévu, le mec. Tu sais, il voulait les amener où? Où? À Madagascar. Ouais, sur l'île de Madagascar, il voulait amener tous les juifs là-bas. C'est une grande île, on pouvait accueillir tous les juifs de la Terre. Comme ça, boum, tranquille. On n'en parle plus, on n'entend plus parler d'eux. Bon, bah, après, la France, ça changerait pas grand-chose pour nous. On sera en train de collaborer, n'est-ce pas, comme d'habitude? Eh bah oui, hein, nous, la France, on suce l'Allemagne à cette époque, MDR. Bon. Bon, bah en même temps, en jouant 40, on s'est fait écraser en 3 semaines, quoi. Les victimes. Alors qu'Hitler, il avait peur de nous. C'est pour ça qu'il a attaqué la Pologne en premier. Parce qu'il avait peur de l'armée française. On était considérés comme les meilleurs, hein, en termes d'aviation et de tanks et tout. Bah non, on s'est fait éclater au bout de 3 semaines. Parce que les généraux, c'est tous des PD. Tous des gros connards, surtout. Oula. Surtout des gros connards, ils se pensaient à la première guerre mondiale, ils ont dit oh, ça va être une guerre de position. Il y a le général de Gaulle, il a dit non, c'est une guerre de mouvement. Bah, ils se sont pris une blitzkrieg quoi. En 3 semaines, c'était fait. L'affaire était pliée, hop, dans le sac. Attends, la Pologne s'est fait victimiser en 17 jours précisément. OK. En gros, le 15 septembre. C'est terminé, plus de Pologne. Hop là, terminé. Ah, j'ai réussi à courir Waouh. au-dessus de mon projet. Ah non, je te jure, au bout de 15 jours, Ah. la Pologne, il n'y en avait plus, hein. Terminé. Donc du coup, en gros, on s'est fait violer en fait par les Allemands. Au bout de 3 semaines, on a fait pire. Ouais. On a fait un peu, on a fait pire que les Allemands, quoi. Oh, shit. Voilà. C'est stylé ça ce que j'ai fait. Ah non, On peut pas passer. On peut pas. Ouais, on peut pas passer comme ça. On peut pas passer. Bah, déjà, on peut pas le voir, déjà, c'est attends, bien. je vais tout refaire. Pendant que Ouais. j'abandonne mon projet. Ouais, abandonne ton projet parce que je comprends rien. Ok, Ah oui, j'ai faut que vu je une regarde vidéo sur PSG YouTube. Galatasaray. En plus, on joue en Turquie. Et nous, les Français, on est très mal vus en Turquie. Ouais, Alors, pourquoi? PSG Galatasaray, ça donne quoi? Bah rien, 0-0. Nul. Oh, Fianso, il allait. Fianso, il hésitait à venir pour. Il hésitait à venir pour pas apparemment, parce que d'après ce que je vois. Il hésitait entre voir le PSG en Turquie ou alors. Live football. Je m'en bats les couilles, je veux voir Galatasaray versus PSG. En plus, il y a Nasser avec Kadhafi en plus. D'accord. C'est quoi tes trois couleurs préférées? Le jaune, le rouge, le bleu. Ok, jaune. Alors si vous entendez un petit bruit fond derrière, c'est normal, je regarde le match du PSG. Alors ça fait 0-0, bah ça va, j'ai rien raté. Enfin, je sais pas qui joue. Non. Tiens,
je devrais m'enseigner pour savoir c'est qui est sur le terrain. Je me suis pas renseigné du tout d'ailleurs. Oui, en fait, la vidéo va être un peu spéciale parce que bah on va parler de tout et n'importe quoi. On a parlé de Mannkampf et là on parle du PSG Galatasaray. Putain, le virement de sujet. Ouais, c'est incroyable. Waouh. Alors, Icardi s'est déjà pris un jaune. Putain, au bout de 6 minutes, il prend un jaune, quoi, l'italien. Alors, il y a qui au PSG? Il y a Di Maria, Icardi, Sarabia, Verratti, Marquinhos, Idriss Gueyes, Bernat, Kimpembe, Thiago Silva, Thomas Meunier et Kevo Navas. Il n'y a pas Mbappé. Attends. Il a mis Mbappé de côté, il y a aussi Luca Paredes, Rico, Choupo-Moting, Kurzawa, Herrera et Diallo. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas Neymar. Neymar, il pourra jouer que dans le match retour contre le Real. Ouais, il a été suspendu 4 matchs, mais sa peine a été réduite à 3. Et même à 2, d'après ce que j'ai compris. Donc du coup, il pourrait rejouer, je pense, soit à Bruges... soit contre le Real de Madrid. Je sais pas. Ok. On va voir ce que j'ai fait. Quoi? Tadada. Et comment tu fais marcher la lumière? Moi j'arrive pas. Attends, ah, il faut et des blocs de diamants, ah, d'accord, pour les faire marcher. Oui. Du coup là, je mets un diamant dedans. Et tu veux quel effet? Tu casses plus vite ou tu vas plus vite? On va plus vite, c'est mieux. À vitesse. Hop, maintenant on a un effet de vitesse. Mais c'est à une portée pas infinie. Hein. Ouais, je sais bien. Genre dès qu'on est dans la maison, je crois qu'on a l'effet. À voir quand même. Bah en fait, dès que le symbole disparaît, en fait, c'est ça. Oui, ça marche. Ouais, quand on est dans la maison, on a un effet de speed. En fait, quand on s'éloigne de la... En fait, plus on s'éloigne, ouais, ça... Ouais. Attends, je vais essayer de voir. Ah! Ah bah... D'après ce que je comprends, on peut pas aller plus loin. Attends. Moi, là, on va pas plus loin qu'ici. Bon, ça va, j'ai rien raté alors. S'il y a toujours 0-0. Par contre, la deuxième mi-temps, je vais regarder. Hein. Donc, du coup, j'ai coupé mon vidéo. Oh non, c'est un petit chiant. Et demain, je pourrais pas jouer. J'ai une disserte à faire en philo. Et ça me casse déjà les couilles. Mais ça me casse la... Mais ça me casse la tête, moi, de faire ma philo de merde là. Tu la fais pas. Bah si je la fais pas, je me fais défoncer, alors à toi de voir, en plus c'est noté. Alors à toi de voir. Sachant que je commence très bien la... Sachant que je commence très bien l'année, parce que j'ai un 10 sur 10 en maths, 9 sur 10 en droit, 9 sur 10 en histoire, 13 sur 20 en mana et 16 sur 20 en mana. Et 15 sur 20 en anglais. Non, du coup, j'ai pas envie de commencer ma philo. Ah non, en philo, j'ai eu 5 sur... Enfin, j'ai eu 3 sur 5. Du coup, ça va. Moi, je forme mes colorants. Et j'ai vu qu'il y avait aussi des colorants jaunes, un peu de marguerite. Du coup, demain, moi, je vais faire ma philo. Et bon, ça ira. Par contre, pour la philo, ça va être une chiantise de ouf. Chiantise? Ça se dit ou pas? Je sais pas. Ouais, moi dans ma classe, il y a une fille qui me plaît, mais je sais pas moi. On a un générateur de communistes, en gros. Oui, du rouge! Et du bleu. Mais déjà, moi j'aime bien ma prof d'histoire qui me surnomme le rouge. Mais non, mais moi je m'auto-surnomme l'homme rouge en fait, moi. L'homme rouge. Bah oui, l'homme rouge, de couleur du communisme, je me surnomme comme ça déjà. Je suis l'homme rouge. Je suis l'homme rouge. De quel sens tu parles? Bah l'homme rouge.
Bah ouais, mais en ça gros, c'est pas. tout le temps. En gros, je fais. En gros, j'ai tout le temps des marteaux et des faucilles chez moi. C'est chelou. Je souffre. Et je chante aussi l'hymne national russe sous ma douche MDR. Oh, les chocs. Oh putain, y'en a qui va se faire tuer ce soir. Oui, je sais pas parler aussi. Bah, y'en a un qui a des origines russes. Putain, je suis hyper jaloux. Moi, j'en ai pas. Moi, j'en ai pas fait chier. Fait chier d'avoir des origines russes, ça serait. C'est trop bien, quoi. Pourquoi Draboul si étranger. Ah franchement déjà je crois que bah déjà que si à l'université du Havre ou à Rouen ou j'en sais rien me propose d'aller me propose le russe, je fonce direct. Oh non, mais je prends le TGV hein. Laissez passer. Laissez passer, je vais faire russe. Ouais, mais t'es en fac de droit ou d'histoire. Je m'en fous, je vais faire le russe quand même. Je fais quoi là? Je m'amuse, je fais la Death Revolution 2008. Ouais, non, je faisais Tetris là. Je suis en train de nier les trucs, ça c'est Moi j'écoute de la hard bass en ce moment là, les Russes ils sont. Ah putain, les Russes. Oh bah je crois que ils adorent la vodka. Tu vois le clip que tu m'as. Oui. Que tu m'as. Est-ce que t'as vu. Est-ce que t'as vu Blast, V-City et Arena? Tu m'as trop envoyé. Non, je t'ai juste envoyé V-City en fait. Après les deux autres, je les ai pourris. Je la garde avant de dormir, je te dis, j'ai bien dormi. Conseil avant de dormir, les enfants, faites comme Stan, écoutez DJ Blyatman et Hard Bass Cool V-City. En même temps, ils sont complètement drogués. C'est quoi ce clip? Tu vois PewDiePie qui twerk, tu vois Vladimir Poutine qui twerk avec le tel, tu vois un ours qui fait de la guitare avec une chapka. Tu vois une grand-mère qui s'amuse à danser avec deux mains. Est-ce que t'aimes bien le rap anglais? Le rap anglais? Non, déjà je déteste les anglais pour la base. Mais je comprends pas pourquoi t'aimes pas les anglais, t'es juste débile. Bah en fait, on adore se frotter à la gueule des anglais pendant des siècles et des siècles. C'était marrant. De pas marrant. Pour la guerre d'indépendance des États-Unis, qui en a affronté? Bah les anglais, les roast beef comme dirait Victor. Les roast beef. Ouais, parce que je sais pas, ils ont un. Je lui ai toujours pas demandé pourquoi ils se sont nommés comme ça d'ailleurs. Allez, c'est parti, les enfants. C'est parti pourquoi? Je sais pas, qu'est-ce que t'as envie de faire? Bah, tu sais, on a tout fait dans la vie. On a défoncé des dragons, on a été vers l'enfer, on a niqué des mers. Non, pardon, ça on l'a pas encore. Ça, on l'a pas encore fait. Ah, tu veux faire un dragon? Ok, on termine sur un combat de dragon. Attends, je prends mon équipement. Moi j'ai mon épée, ouais, bien sûr. Ah, d'accord, en fait, près de la maison, t'as 10 secondes imité. Lol. Ouais. Hop, ça aussi. Mais c'est quand même chelou le portail de l'Ender. Attends, moi je suis en train de préparer mon stuff. On dirait qu'il y a des particules qui volent. Solo! Ah, t'es entré dans l'Ender! Ok, on fait un petit dragon! Attends, je prends des cristaux. On fait un petit dragon avant d'aller se coucher. Merde! Ah, il a quitté l'Ender, le con. En fait, j'ai toujours pas compris, c'est quoi l'Ender en fait? C'est le monde de fin. Le monde de fin, c'est-à-dire? Bah, en gros, putain. Ça va être vraiment ça. En gros, dès qu'on a tout fait, on peut faire l'Ender en dernier, mais là.
Bah, on est en mode créa, donc du coup, on s'en branle un peu. Ouais. C'est une survie au calme. Après, on fera une vraie survie un jour. Ouais, un jour quand le prince viendra. Quel prince? Je sais pas, j'avais une cantine d'enfants dans ma tête du coup. Je suis en train de péter En fait, il devrait compter derrière. Un dragon. Ah oui, le dragon est derrière. Le dragon. Enfin, un dragon quoi. Ouais, mais le dragon, il sert à quoi? Les Français se demandent. Attends, le dragon. Hé, connard, regarde. Tiens, des flèches dans le cul. Ah, il veut pas. Attends, arbalète, tire un multiple. Sinon, c'est mon cochon. Quoi? Mais tout à ça, quoi. Moi, j'ai pas ça dans mon arba. Ah, on peut faire des modifications sur l'arbalète maintenant. Je voulais le dire. Ben, et nous aussi, on s'est volé, connard. Franchement, je trouve ça. J'ai fait salut! Ah, bro. Par contre, les gens ils doivent pas se soucier d'un truc quand même. Ils disent pas c'est quoi les deux portails chelous qu'ils ont au fond de leur jardin? Oh, c'est normal! Ils font des expériences sociales. Bon, bah, franchement, je termine le clip vidéo et après, bah, je vais te laisser. Mais est-ce que tu reviens ou pas? C'est-à-dire qu'on a fini le jeu, ça y est. Ouais. PTDR, on a fini le jeu. On a tué un dragon. Waouh. Yogi, on a tué le dragon noir aux yeux violets. Et je l'ai capturé, je l'ai mis dans mon deck. Et c'est une très bonne carte. Ah, tiens, mon kill. Améliore mon arbalète. Ok. Parce que moi, tirer une par une, c'est pas ouf. J'ai l'impression d'être un papy. Moi, j'en ai marre d'être un papy. Je veux jouer avec mon dos. Oh putain, une boule de feu. Aïe. Aïe. Putain, mais il fait mal, l'enculé. Oh, je pense à détruire. Attends, moi. Déjà il me faut le retour de mon harpon parce que mon harpon il est parti dans le temps. Tiens. Mange ça. Mange ça. Mais ça a rien. Que normalement il y a plus d'XP que ça. Miam XP. Bon, allez, on se casse les enfants. Ah bah c'était Karev. Oh bah fait chier. Hein. Oh là là, fait chier, c'était Karev. Bon, en tout cas, je vous dis. Attends, je vais revoir les amis. Ah oui, DIY, comment améliorer l'arbalète dans Fortnite? Oui, c'est ça. Comment améliorer la balette dans Minecamp? Moi franchement les tridents, j'adore ça les fous. Dommage qu'ils font pas des boules de feu là en mode... Dommage qu'on peut pas lancer des boules de feu là comme Zeus en mode... Là, tu recharges plus rapidement canalisation. Je suis là, débile. Ah, tiens. Ah non, si je dis débile, je vais pas avoir mon cadeau. Waouh. Tire multiple 1, charge rapide 3, canalisation. C'est-à-dire quoi, canalisation? C'est-à-dire que j'évacue les flèches plus rapidement.
Mais non. Enfin, ça veut dire qu'elle parte plus rapidement, quoi. Elle part. Ok, bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube, à liker, à activer la cloche. Bon, c'était un peu le bordel, on parlait de tout et n'importe quoi, en même temps on est en France, ouais. Hein, on a le droit de dire ce qu'on veut. Et si ça les dérange, bah je dirais tout simplement, si vous savez ce que l'on a dans les commentaires. Aïe, ah, par contre ça pique. Mais c'est quoi ta popo de merde? Mais c'est quoi ta popo, wesh? Arrête, mec. C'est quoi ta popo? Arrête. Mais c'est quoi ta popo? Bon, arrête de me punkier, c'est pas drôle. Attends, je vais utiliser une potion. Mais c'est quoi ta popo? C'est une potion de dégâts, c'est ça? What? Tu peux juste regarder que toi? Oui, t'as vu? Ça, la chose, je vais mettre au-dessus. Attends, il y a Yesh! Quoi? Je vais m'aider, il faut nettoyer la chambre! Il a touché le chat, le con. Bon, allez, ciao les amis!